Coucou, c'est Géraldine de Scrap en fleurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo, voyons, ça commence bien, que l'on m'a demandé concernant mon outil pour faire les boutons pression plastique ici. Je vous avais dit, si ça vous intéresse, vous me le mettez en commentaire et je vous ferai une revue. Eh bien, on me l'a demandé, donc voilà, c'était... Pardon, si je vous montre à l'endroit. Donc, vous voyez ces pochettes-là. J'avais mis donc des boutons pression. Et donc, je vous montre l'outil que j'ai acheté. Alors, je ne sais plus où je l'ai acheté. Il me semble que c'est Amazon. Mais ça remonte à octobre ou novembre 2019. Et très franchement, je ne sais plus. Je pense que comme j'en avais besoin pour finir mes travaux de couture avant Noël, donc je pense que j'ai dû le commander sur Amazon. Parce que vous savez que AliExpress, parfois, ça peut être très, 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 très long. Il me semble que le prix se situe entre 10, 12 euros et au maximum 15 euros pour le kit complet. Après, je pense que vous pouvez acheter peut-être des choses moins chères et acheter tout au détail. Franchement, ce kit, moi, ça m'allait bien. Je l'ai reçu donc dans cette boîte. Alors, si ça vous intéresse, la marque, ce serait Iloki. C'est dommage, j'ai enlevé cette étiquette-là, mais si ça se trouve, ça, c'est une étiquette d'Amazon. Franchement, je ne sais plus. Commencez par regarder sur Amazon éventuellement si vous le trouvez, et puis sinon peut-être sur AliExpress si toutefois vous n'êtes pas pressé. Donc ce kit pour moi comprend, donc vous allez voir, il est assez complet. Donc je vais le tourner dans ce sens-là, ce sera plus facile pour moi. Donc il comprend déjà l'outil pour faire évidemment pour écraser le bouton pression. Donc oui, désolé, ça couine un peu. Donc ça, c'est l'outil, donc c'est très simple, hein. Ici on a la base de la pince. Ici, on a donc la tige qui vient écraser dans ce support-là. Je ne sais pas si vous voyez bien, dans ce support-là, le bouton pression. Ouais, vraiment, vous allez voir, c'est très très simple. Ensuite, dans ce kit, eh bien, il y a donc une boîte dans laquelle il y a des recharges. Notamment, alors, il y a une pince à épiler. Moi, perso, je m'en suis jamais servie. Je n'en ai pas eu besoin. Il y a une tige supplémentaire pour cet outil-là. C'est une tige qui est d'un diamètre inférieur à celui-ci. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors là, ce sont deux petits caoutchoucs de rechange, hein, ce qui correspond donc à cette partie-là. Et oui, tout ça pour vous dire que pourquoi un bras supplémentaire? Parce qu'en fait, ici, donc c'est un petit support noir. Hein, je ne sais pas si je suis bien en face, qui se retire d'ailleurs, je ne sais pas comment. Donc, on a un petit support noir ici, qui est du diamètre du bouton. Et là, j'en ai deux supplémentaires, donc qui sont un d'un diamètre inférieur et l'autre d'un diamètre supérieur. Donc je pense qu'il existe des boutons un petit peu plus petits et un peu plus grands que ceux que je vais vous montrer. Moi personnellement, le kit que j'ai, eh bien, ce sont les boutons donc standards traditionnels. Je vous donnerai le diamètre tout à l'heure si je n'oublie pas. Donc voilà ce qu'il y a dans le kit. Il y a également un tournevis pour démonter donc les parties, enfin cette vis-là pour pouvoir enlever la tige. Donc je trouve que quand même c'est bien foutu pour le prix. Et puis il y a un pic. Alors c'est ballot parce que je me rends compte que maintenant, bon, cela dit, j'en avais déjà un dont je me servais, mais voilà, il y a un pic à couture. Vous savez, lorsque je fais ma reliure, j'ai un pic de chez... Ben, d'ailleurs, je me demande si c'est pas le même. Regardez ça. Un pic de Wear Memory. Et ben en fait, ça... Voilà, seule la couleur diffère, c'est exactement la même chose. Je m'en étais même pas rendu compte. Donc voilà, donc ça c'est bien aussi quand on fait donc de la reliure cousue, bah, ça vous permet de percer les trous avec ce poinçon. Donc ça c'est pour le kit d'outillage, bien sûr. Il y a la notice. Et ensuite, donc dans mon pack, j'avais également. Donc la boîte est arrivée vide, hein. Les petits boutons sont arrivés dans des petits sachets. Donc c'est moi qui ai rangé ensuite dans cette boîte. Donc voilà toutes les couleurs dont je dispose pour utiliser donc mes petits boutons pression. Alors c'est quand même assez varié, hein, franchement. Il y a trois teintes de vert, il y a deux jaunes, enfin un jaune orangé. Un rouge, on a du violet, on a du rose, on a un pêche, on a un rose très pâle, on a deux bleus, on a deux violets, mais il y en a un autre là ici, on a du noir, on a deux sortes de beige, on a du gris. Vraiment, c'est complet. Et puis, pour info, sachez que... Et donc, je vais revenir à la vidéo que je vous ai faite l'autre jour. Donc, concernant ceci, je vous avais dit que j'avais mis un bouton pression. Bon, je vais vous le ressortir. J'aurais dû le faire avant pour vous montrer la teinte. Donc, j'avais mis... Oups, il est parti.
Voilà, j'avais mis celui-là que je trouvais vraiment très terne et très fade par rapport à mon support, qui est quand même brillant. Donc du coup, j'étais venue passer un marqueur argenté, sauf que le marqueur, je vous avais montré, hein, en grattant, ça s'enlevait. Et je m'étais dit que j'allais tester avec du vernis par-dessus. Donc voilà, j'ai remis une couche de vernis et bah, c'est nickel, ça bouge pas. Et j'ai fait la même chose à l'intérieur, parce que je ne comprenais pas pourquoi en fait mon support était taché. Et bien en fait, c'était ce bouton pression ici qui venait d'éteindre là-dessus. Donc franchement, avec une couche de vernis, c'est super. Ce qui veut dire que si toutefois, dans ce que vous avez en couleur ici, vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez toujours venir les peindre et mettre un coup de vernis dessus pour que ça tienne. Voilà, ça c'était la petite astuce. Donc, comment ça se présente? Alors, c'est tout simple, je vais déjà pousser ça. En fait, ça se compose comme suit. Donc, il vous faut bien sûr deux têtes. Décidément, je crois que je vais faire joujou avec. Deux têtes, donc d'un côté vous avez un picot et de l'autre côté c'est arrondi puisque c'est la forme que vous allez voir. Donc voyez, c'est pointu donc ça permet de transpercer. C'est pour ça que je suis bien en face. C'est pour ça que moi je n'utilise pas en fait le poinçon qui est fourni avec parce que je trouve que c'est suffisamment piquant. Enfin, en tout cas, pour l'instant, je n'en ai pas eu besoin. Donc voilà, donc il vous faut un comme ça pour chaque côté. Et ensuite, on a un mâle. Et une femelle, en fait, c'est simple. Vous mettez d'abord le pic, ensuite vous mettez votre papier, et ensuite vous venez remettre donc l'option femelle ou l'option mâle, peu importe. Et une fois que c'est fait, vous venez écraser. Donc on le met à l'intérieur ici. Donc imaginez que vous avez. D'ailleurs, on va faire autrement. Alors là, je vais pas l'écraser parce que ça sert à rien de faire du gâchis, mais c'est pour que vous compreniez. Par exemple, voilà, je vais prendre ce bout de papier. Donc, je vais piquer. Alors, on va dire que le côté décoré, c'est le côté donc extérieur. Donc, voilà, je pique tout simplement mon papier. Hop, je rajoute, eh bien, la partie, on va dire, mâle. Mais j'aurais très bien pu le faire avec la partie femelle. Une fois que j'ai ça, c'est simple. Ma partie donc arrondie qui est là. Je la mets dans la partie noire, comme ça. Et une fois que je suis là, eh ben, il suffit que je presse fortement. Ça vient écraser. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir, mais le petit picot qui dépasse. Non, je suis à la lumière, c'est un peu. Vous voyez, on a un petit picot qui dépasse. Et eh bien, ce petit picot, donc, vient s'écraser à l'intérieur. Et ce qui nous donne, voilà, ceci. Donc, vous voyez, on ne le voit plus du tout, ce picot. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, je suis sur le bouton mâle et ici, le bouton femelle. Et voilà, et c'est ce qui me permet ensuite, eh bien, de faire ma pression. Donc, franchement, c'est un outil qui est super. Donc, évidemment, en couture principalement. Mais comme vous avez pu le voir en scrap, c'est super aussi. Ça permet, eh bien, de remplacer les velcros qui ne tiennent pas toujours, qui ne sont pas toujours esthétiques. Là, au moins. Je trouve que c'est assez pratique et esthétique. Donc voilà pour cette petite revue. J'espère que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Idem, si vous voulez en commentaire que je vous parle d'un sujet un petit peu particulier plutôt que d'autres, eh bien, n'hésitez pas à me poser vos questions et j'essaierai d'y répondre. Voici pour cette courte vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Ciao!